の谷、アリルでしたっけ。何ですかそれ。名前だけですごく怖そうなんですけど。私も行かなきゃダメですかね。そろそろこの引きこもりに留守の役目を授けてください。もう教師でも生徒でもないってのに、みんなあんたのことを先生って呼ぶよな。まあ私もそうだけど、あんたはどう呼ばれたいとかあるのか。その呼び方が馴染んでるもんな。じゃあこれからもよろしくな先生。温室の掃除と花の手入れと書庫の整理と洗濯もしないと。でもこれが僕の仕事だから、レア様がいなくたってちゃんと僕がやらなきゃダメなんだ。あなたにはもっと別にやるべきことがあるでしょ。Non ! Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Non, je l'ai perdu. C'est sûr. Mais en fait, c'était pas celui que je voulais. Tant pis. Je vais pas se montrer l'arc-en-ciel là. Non. Rue Tarzaï. Oh ! Oh ! Quel bâtard ! J'avais le rythme, je l'ai plus. Jaune c'est au-dessus de bleu. En fait, t'as bleu foncé, bleu clair, rouge, jaune, arc-en-ciel. Non, t'as violet avant, violet et arc-en-ciel. Elle veut pas se montrer.
arc-en-ciel. Oh! Oh oui! Oh non! Messager divin! J'en ai eu! Merci. Ouais, l'arc-en-ciel, il se bat bien, hein. Saloperie. Il change le rythme et tout. Pourtant, c'est vachement rapide, de temps en temps, c'est lent. Sensei, oskaretama desu. Honjitsu mo ijou nashi de arimasu. Minasan, iyoiyo eisei desu ka? Jigou? Ah, engun no hikitori desu ka? Rusu wa jibun ni omakase yo. お任せを。光に目を光らせておきますので。あ、ずばぽ、ずばぽっと。先生、先生、お疲れ様です。本日も異常なしであります。真似してみたんですよ。どうかしら。5年経っても変わらないこともあるけれど、変わってしまうことの方が多い。もうポイソンイズバポット。もうシルマバポット。 Tout à l'heure, je me suis battu pour bouffer. Hein. Compliqué. On voulait me voler ma bouffe. Non, je déconne. Personne ne voulait voler ma bouffe. Pas vrai. Pas vrai, c'est un mensonge. N'y croyez pas. Même si c'était très bon, hein, je dis pas que c'était pas bon, mais. Disons qu'il y a que moi que ça intéressait, donc. Évidemment, on va pas se battre pour me voler ma bouffe. Ouais, y a des élèves que j'ai recrutés. Bah, Sylvain, on fait partie. Il y a Sylvain, il y a Ingrid, Mercedes. Dorothea, Bernadetta, Félix. Et après, bah, il y a tous les chevaliers de Séros. Enfin, tous ceux qui font partie des chevaliers de Séros, en fait. Donc, tout cela. Mon meilleur perso? Bonne question. Ça sera pas Ignace en tout cas, hein. Ça c'est sûr et certain. Oh. Meilleur perso. Alors si tu prends juste en compte l'efficacité, je dirais que c'est Lisetia. Parce que Lisetia c'est un peu ma tueuse de Chevalier Macabre. Parce qu'elle fait une attaque au Chevalier Macabre, il est mort.
Mais sinon, je dirais plutôt Claude. Là. Claude est plus tanky. Rapide, donc du coup, il peut faire davantage de choses. Hein. Mais vu que Lizetia attaque à 4 cases de distance, qu'elle one-shot quasiment tout le monde, parce que attaque magique pétée et que la plupart des ennemis sont des persos qui n'ont pas des attaques magiques, enfin de la résistance vachement élevée, du coup elle défonce tout le monde quand même. Mais si tu fais du... Vraiment, si tu fais du unité contre unité, c'est clairement Claude qui va gagner, je pense. Attention, le level max, j'en ai te dire, vu qu'au bout d'un, enfin au bout d'un certain moment, soit tu vas arriver à la fin du jeu, soit en fait, ça va plus rien changer parce qu'au bout d'un certain moment, les ennemis vont plus être au niveau. Il y aura des stats pétés, ouais, mais il y aura plus de différence en fait. Vraiment. Genre, si t'as 70 vitesses. Enfin, on va dire, les ennemis ont 35 de vitesse, toi t'as 40 de vitesse. Que t'en aies 40 ou 60, ça revient au même. Tu feras des doubles attaques pareil. Tu vas juste esquiver un peu plus vite, mais. Notamment, ça fait plus une réelle différence. Bah, surtout au bout d'un moment, tu finiras l'histoire et tu seras obligé de refaire un. En fait, ce que je fais, c'est que pour les lions de Saphir, c'est Dimitri. Parce que du coup, je prends une. Bah, en fait, c'est à chaque fois le leader du groupe avec qui je marie l'avatar. Donc, pour les lions de Saphir et les serres d'or, je prends un avatar féminin. Et pour les aigles de jet, j'ai pris un avatar masculin pour Dead Guard. Et pour l'église, j'ai pas encore décidé. Pas très probablement aucun mariage du tout. On verra. これ以上に頼れる相手はいないね。こんな状況じゃなけりゃ、ぜひ剣を合わせてみたいもんだが、ま、問題は遠兵と合流できるかどうかだ。何事もなく済むといいな。Un tournoi, c'est bien.
parle du tournoi qu'il y a tous les mois là. Dans le jeu. Pas du tout lequel ça sera. Ah, dégage. Ouais, bon. Je l'ai fait à chaque fois. Ah, sauf quand j'oublie totalement et qu'au final je me retrouve sans point d'activité. Là, ça devient problématique, mais. Normalement, j'oublie pas.私の実家であるガラテア家は、ダフネル家から分かれて生まれた家。何でも兄弟で家督を争ったことから、家が真っ二つに割れてしまったそうです。同じ血を引きながら生き方を違えたもの同士。あ、tu l'as pas encore?関係は良好ではありませんでした。ダフネル家の当主であるジュディット様とも特に面識があるというわけではないのです。 Pas de viande. Moi j'ai pas de viande. ジョンジョを受ければ食料にも余裕が出ると考えている人がいるようですが、食料については期待しない方がいいと思いますよ. Ouais, les tournois. En fait, j'ai même pas de. Y a même pas d'intérêt en fait à faire les tournois en... quand t'es en New Game Plus. Ça rapporte pas de points de, d'enseignement. Et tous les objets, t'en as pas besoin en fait. Donc à la rigueur, ouais, ça sert à rien de faire. Mais bon. C'est un truc qu'on peut faire, donc je le fais. C'est comme la chorale. Ça sert à rien de le faire, mais je le fais. Enfin, ça sert à rien. Disons que là, ça me sert à rien de monter foi et autorité. Maintenant, là. Là, je suis déjà en A en autorité, je m'en fous. Et en foi, je m'en fous totalement. Donc ça me sert à rien, mais... Je fais quand même. Lioni. Ah, chocoyoko sosoru ii nioi da. Ouais, je sais que ça sert à rien. J'aime bien. Attends, pourquoi ils sont tous à fond quasiment? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, il n'y a pas. Ok. Ça change pas le nombre de repas que je suis obligé de faire alors. Pas. Ah, chier. Plus de bouffe en fait. J'ai plus de bouffe.
expliquer. En même temps, j'ai plus rien besoin de monter au niveau des enseignements. Donc, à la rigueur, si je peux plus monter à la motivation, c'est pas grave quoi. とはいえ万が一のことがあってはならん。いついかなる時も訓練は怠らぬようにしなければな。今日は思い切って何かを思い剣で切ってみようかと。秘伝もどうだ。共に剣を振るおうではないか。 いまだにディミトリが生きているとしんじる水郷どもがいてな。俺の父親もその一人だ。現実が見えていないのだ。ミヒリー、いつはもう死んだ。どこにもいない。よくわかん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 ない。よくわか
国方に寝返っちまったらしい。ま、無駄な血が流れるのを避けたと思えば賢明な判断だったかもしれないな。Pour moi, de l'ancien, j'en ai qu'un. Deux. Voir ce que ça donne. Ah, il est pas super bon non plus. Poser quelques problèmes. Il y a une bonne défense donc. Théoriquement, ça devrait passer. Je dis bien théoriquement. De finale, je trouve ça pas. Oui, ça va passer. Non, c'est pas ça. Voilà. Non, ça va. Avec ça, ma gueule, donne-moi davantage.
Moi j'ai pas vraiment d'habitude. L'habitude. Quelqu'un dans les dortoirs, mais personne. Personne dans les appartements de Réa non plus. Tous cachés. たった5年の間にいろいろなことが変わってしまったのですね。王国は半分帝国のものになって、同盟でも小競り合いが続くようになって、けれどここから見上げる空だけはあの頃からずっと変わらないままですわ。ね、お父様とお母様と見た空、つい昨日のように思い出されますな。 の谷で遠兵の受け渡しとはなかなかに考えたものだ。確かにあの灼熱の地ならば人も寄りつかないだろうからな。だが厳しい環境にさらされるのはこちらも同じ。準備は怠らないように。 LOL, moi je dis LOL. Alors, blablabla. Zblé. いずれ戻ってきて、この5年間帝国兵に見つからぬようひっそりと暮らしてきました。今ようやく大修道院に戻ることができて、とても感激しています。遠方に逃れた修道士たちもいずれ戻ってきてくれるでしょう。 je vais te faire les droits. Un truc à récupérer. En haut. Pour une fois qu'il y a un truc en haut là. Incroyable. ことはありましたが、実際に行けるなんて思っていませんでした。楽しみだなぁ。一体どんな風景なんでしょうね。ラブ。危ないんでしょうか。だとしても早く実際に見てみたいですよ。ラブ、c'est dangereux, monsieur. ラブ、c'est dangereux. Venez-vous-en. Vous avez prévenu. 私たちもう生徒じゃないけれど、やっぱり。
本を読むのって大事よね。次の戦いで役に立ちそうなことが載っているかもしれないし。ええ、本当に戦争が終わった時には士官学校を再開できればいいんだけどね。修道院がボロボロになっちゃったのは本当に残念だったけれど、書庫も本も無事でよかったわ。j'ai pas un... Alors, ça fait longtemps que j'ai pas croisé le PNJ là qui fait ce bruit là. Un peu triste. Fargas 公国が建てられたことで、王国は実質滅んだと言っていい状況です。旧王国に属していた諸侯の大半はすでに帝国の傘下に入ってしまいました。未だ屈していないフラルダリウス家なども潰されるのは時間の問題でしょうね。Cette chouette me fait chier. Je sais pourquoi ils l'ont ajouté, mais ça me fait chier quand même. Ça me fait encore plus chier parce que c'est issu d'un truc qui me casse les. Oui. 修道院の修繕もだいぶ進んだな。喜ばしい限りだ。ここへ戻ってきた時にはどうなるかと思ったが、大聖堂の再建さえ進めばすぐに元の姿を取り戻すだろう。Ta hitbox est trop grosse, monsieur. C'est-à-dire que je peux passer là tranquillement, et par contre le sens inverse, ça va pas. Pourquoi ? Expliquez-moi. Pourquoi je peux pas passer là ? Alors que je peux passer là tranquille. Pourquoi ? Je prends du poids à chaque fois que je passe, c'est ça ? 昔の生徒が死んだって話聞くと、やっぱり心に来るわ。でも、帝国と戦いを繰り広げていく以上、これからも避けて通れない道、覚悟を決めて戦うしかない。それが元教師の務めよね、きっと。Oh, statuette de Zoltan. Dengok no Tani Ari. Non, c'est pas toi qui fais le pas, c'est toi. Yoku yatte kureta. また来てくれ。いらっしゃいませ。こちらでよろしいですね。ありがとうございます。またどうぞ。
Bon, du coup, goûte, ça va être pour qui? Yep, là je finis de donner ce que j'ai à donner. Et après je fais des batailles. Icon divine. Giga carapace. Par contre, le menuing de ce jeu est assez infernal, je trouve. C'est un coup à prendre, mais c'est pas le plus ergonomique, je trouve. C'est la façon d'appeler le fait de justement d'utiliser le menu en fait. Je dis comme ça. C'est de l'anglais. C'est en fait, traduit ça en français, c'est être dans le menu. Un truc dans le genre. Ou utiliser le menu. Chacun son interprétation de la chose. また。また。 Bah, peut-être que je lui montre sa magie à lui. Ah, je vais monter. Je vais monter en A, au moins. Toi, t'es en S. Ah, je...
Ah, je sais, j'ai du mal à articuler parfois. Et c'est compliqué. C'est compliqué. On va dire que c'est compliqué. Simplement. Donc on lance un peu quand même. Un minimum. Minimum. Minimum syndical. Toujours pas en S. En S, on est où? On est où? Ah, critique. Tout ça. Ouais. Ils sont tous en classe élite, voire suprême. Une queue de serre, lol. Fuck. Ouais. Oh, c'est mon anniversaire. Yay. ピター。俺たちの力見せてやるとするか。頑張ろうね。この結果なら文句ないよな。なるほど。 実践で応用するには掴めてきた気がします。力の習得に年は関係あるまい。だいぶ掴めてきたと思うけど。Un arc magique, j'en ai rien à foutre. Il n'y a rien qui a changé, je crois. Ouais, juste pour le fun. Ouais, juste pour le fun. Pas passé. Dommage. J'utilise pas de toute façon. Donc, je fais en premier vers l'annexe. ボケても無駄だ。私は全て知っているのだから。何のことですか？いいからこっちへ来い。先生、助けて。邪魔をするな。おとなしくその娘をこちらに渡せ。悪いことは言わん。
その娘に関われば命を落とすぞ。ん、エドマンド領の南方にある森にさまよいし獣が出没すると知っているか。夜な夜な人を襲っては森の奥へと引きずり込み殺していると。C'est un peu loin quand même l'aller-retour hein, dans la nuit juste pour bouffer des gens. 違います。私そんなこと。Après je dis ça, je dis rien mais. いずれ尻尾を掴んでるぞ。Au tout début, je pensais qu'elle disait fuyez à Marianne, mais en fait, elle dit fuyez au mec. Et j'aurais eu plutôt dit dégage, mais. Enfin, ouais, je suis en difficile. Toujours, toujours difficile classique. Toujours. Ma difficulté de prédilection.私が父の宿していた紋章をモーリスの紋章を継いでいるからです。またの名を獣の紋章。かつてフォドラを救ったとされる英雄は12人いたとされています。解放王ネメシス、フォドラの実血、そしてもう一人がLe roi du FE. Ah, ça y est, je suis redescendu en roi. Je croyais que j'étais le dieu, moi. Ouais, non, c'est bon, j'ai baissé dans ton estime, j'ai vu, j'ai compris. D'accord, non, j'ai compris.英雄の栄誉も抹消されました。一族老頭も討伐され、モーリスの呪われた血筋は絶えたかに思われた。ですがモーリスの紋章を継ぐ血筋は今もいくつか存在しているのです。私の家系もその一つでした。モーリスの紋章は最悪の象徴。世間では関われば不幸になると。おう、je sacrifie des élèves. Pourquoi pas? 夜な夜な獣と化して。On a le droit de temps en temps de sacrifier des gens. はい。その噂の元となっているのが、森を徘徊するさまよえし獣です。伝承にある獣と化したモーリスの姿と似た姿をしているとかで。On peut même plus tuer des saloperies. Non, en fait, c'est les élèves que j'ai pas recrutés qui sont du coup allés dans le camp adverse. Et du coup, je les ai tués. Dans les autres histoires. Là, ça arrivera aussi sûrement. Je vais aussi en rencontrer que je vais tuer. C'est pas mon but en fait pour l'instant. Parce qu'en fait, mon but c'est de monter les niveaux d'armes en A minimum.En fonction de chaque partie, je monte certains niveaux d'armes parce que c'est plus, enfin, c'est assez compliqué de. Ça prend du temps de monter les niveaux d'armes. Et donc, du coup, je recrute uniquement ceux que je peux recruter, je cherche pas vraiment à les recruter. Et au final, quand j'aurai fini les 4 histoires, là j'en suis à la 3ème, quand j'aurai fini les 4 histoires, j'aurai tous les niveaux de compétences au niveau A minimum, et donc du coup je pourrais tous les recruter. Mais là c'est vraiment de la préparation et en même temps je découvre du coup l'histoire. Claude Cyril,
Ah, c'est vrai, c'est le chapitre de l'enfer. Chapitre de l'enfer. D'ailleurs, il n'y a pas de bête violente. Lol. De bête volante. C'est dommage. Vu que ça spawn à l'infini. À ce qui paraît. Du coup, ça aurait été bien qu'il y ait des. Il y a des Ozio, parce que les Ozio, ils ont du mithril. Ouais. En fait, quand t'es avec les aigles de jet, t'as soit le choix. Enfin. À l'avant-dernier chapitre, en fait, t'as le choix. Soit de te rallier à Edelgard, soit de te rallier à l'église. On va partir par là. On va mettre les tankis par là. Les chevaliers par là. Et vous, vous allez aller un peu n'importe où. Hontonita. Uasa ni kiku. Samayoe shi kemono to iu no wa. Anata ne. Onushi. Après, si tu veux plus d'infos au niveau recrutement des élèves, il y a Serenes Forest qui a mis à jour et qui a exactement tous les prérequis exacts. Donc avec le level de maîtrise et les stats qu'il faut. Ça t'intéresse si tu parles anglais? On a l'air bien par là, hein. Là-bas, je sais qu'il y a des gens très méchants. Oh, elle a 2 TP. Nice, elle a 2 TP maintenant. Ah, t'es grillé. Et je t'ai grillé. Je m'en veux. De rien, pas de soucis. C'est toujours plaisir de partager l'expérience de jeu. Maurice, tu te calmes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Faites détruire. Si bâtard. Oh bah y'a Bobo. Allo Bobo, la petite bébête. Je suis triste, tu sens. Voilà. Pauvre petite bête. Afuk. Je vais dans les forêts.
Ah ah, c'est raté ça, monsieur. Non, fais pas ça. Brûle. Brûle, baby, brûle. Ouais, je le fais en français. J'avais envie. Il est pas content, lui. Ah, loulou. À double raté, ça c'est... Bravo. On applaudit. On applaudit le double raté. Plus brisé maintenant. Brisé. Ah, il est pas brisé. Il est pas brisé. Bon, si, il est pas brisé. Non, viens monsieur. Tu m'as pas empoisonné. C'est quand même chiant. J'ai pas du tout de... Putain, il m'a empoisonné, mais quel bâtard. Un gros problème, c'est que j'ai pas de, de personne qui a un Vitalis, enfin qui a le sort Vitalis. Pas baiser. Ah, pas de Vitalis. Et d'ailleurs, Ectelian, toi qui as tous les persos, tu pourrais me dire si Lisetia elle a une quête et si Ferdinand elle a une quête annexe. Les deux ont une quête annexe, si c'est ensemble, tout ça. Parce que c'est les deux seuls, je sais pas s'ils ont une quête annexe ou pas. Je les ai pas encore eu. Enfin, je les ai eu ensemble, mais j'ai pas encore eu la quête. Du coup, je sais pas s'ils ont une quête ensemble ou pas. Ils se parlaient, tout ça. Lisetia est avec Ferdinand pour son père. C'est... Ah mais donc du coup c'est... ils ont bien une quête qui est commune. Je vous laisse à ouïr. Pas un loulou ça. Mais y'a que des loulous ici. Oh, cette forêt infestée de loulous. Aïe. Par contre du coup ça explique pourquoi je l'ai pas eu avec Edelgard, si c'est au sujet du père de Ferdinand. Et du coup Edelgard elle est pas contente. Hein. Elle est pas contente après le père de Dimitri. Le tout qui est intact. Mais quel bâtard. Donc du coup c'est pour ça, parce que j'avais bien fait Ferdinand et j'avais Lisetia avec les aigles de gêne, et sauf que bah du coup ça aurait été con d'aller voir le papa, hein, avec Edelgard qui nous suit. C'était un peu ballot. On va être un peu mieux. Ouais, justement, c'est pour ça. Ça dépend de la maison.
Et du coup, c'était le seul truc qui me manquait de savoir ça. Ah oui, il y a Claude aussi que j'ai pas encore fait. Mais j'imagine que Claude, c'est comme tous les autres. Hein. On va l'avoir après. Hein. Ferdinand. Mais c'est au cours de la partie 2, hein. Au cours de la partie 1. On est d'accord. Je pense que c'est dans la partie 2. Ouais, voilà. Pardon. Donc du coup il me reste plus que Claude pour savoir ce que je... Ce que je sais que ça s'inquiète à lui. Non, pas le souffle empoisonné du cul. Personne, mais c'était pas celle que je pense. Loupé ça. J'aurais dû lui mettre une épée. Et du coup, elle esquiverait mieux avec son épée que. Là, je vais avoir plein de personnes. Empoisonné, ça va être bien chiant ça. Pas de le soigner toi. Ouh, il avait un bon taux de critique ce petit con. 50% de critique. Petite saloperie. Petite saloperie. Touché. Ah merde, je le tue même pas en fait. Je fais pas de coup critique là, je le tue pas. Ouais, je le tue pas. Ah, problématique ça. Salut du nain. Comment ça va? Une bébête en moins. Euh,
け。俺も手伝うぞ。ひらめいちゃった。Dans ta face. Vous croyez ça que j'ai eu deux abonnements offerts à deux chaînes sur lesquelles j'ai même pas parlé? J'ai passé quoi, deux minutes sur deux chaînes qui faisaient du Fire Emblem il y a quelques jours et j'ai eu deux abonnements offerts. Pour les deux chaînes sans raison comme ça, les gens sont fous. Faudrait peut-être que je me soigne à un moment pour être bien. C'est un bon plan. En fait, moi je l'ai pas vu puisque je me suis barré de la chaîne puisque je suis pas resté longtemps. Mais bah, quand je me suis barré de la chaîne, j'étais toujours pas sub. Et ensuite, c'est genre 2-3 jours après, j'ai eu la notif avec la petite cloche qui m'a dit: on vous a offert un sub. Ah, d'accord. Calme-toi. Calme-toi, petite bestiole. Tout va bien se passer. Tout est sous contrôle. Ou presque. Il y a juste le mage là-bas qui soigne et que je vais buter. Mon petit mage là par là. Par là. On va le buter. Rapido. Et rapido. Il faut que je trouve avant. Il est pas là. Et quelle saloperie. Je sais qu'il est par là. Parce que je l'ai vu soigner. Et où exactement? C'est par là. Hein. Au petit soin. Appliquer des hannetons. Voilà, plus 40 précisions, oui, continue d'augmenter ce qui est déjà complètement craqué. Une bonne idée. Une bonne idée. Ah. Non. Arrête les bêtises, monsieur le loup. Achète dans ta gueule. C'est peut-être pas la bonne idée parce que elle a 32 PV mais elle a pas beaucoup de défense. Elle se prend plusieurs attaques, on est dans la merde. En plus elle va souffrir du poison. Maurice, tu te calmes.
C'est bien que je sois pétissant, mais quand même. J'ai des limites à la connerie. Bah le voilà lui. Enfin. Piou, piou. Ah tu spawneras plus personne maintenant comme ça. Sale vite. Ah. Ok. Ah oui, protection. Je me disais depuis quand elle a protection, mais en fait c'est son c'est sa relique de héros qui fait ça. Il volait. Si volait. Déjà un bon début. Bah, il aurait pu me faire beaucoup de dégâts, c'est juste que... Quand j'aurais été lui, je serais pas bougé, enfin j'aurais pas bougé en fait, puisque du coup j'aurais continué de soigner les bestioles que je blessais. C'est la meilleure solution si enfin, il est sorti pour se faire tuer quoi. Un peu con. Alors Igor il aurait pu attaquer Lorenz. Après Lorenz il a beaucoup plus de résistance magique que Léonie. Ce qui explique son choix. On va commencer à bombarder vite fait. Je vais regarder sa tête de près à lui là. Genre je peux pas zoomer. Vas-y je vais regarder sa tête. Vas-y. Ça, ça se trouve il y a un emblème. Mais je vois pas là. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. J'ai mal visé. Autant pour moi. Mal visé. Ouais, là c'est bon. Là c'est bon. Catherine niveau 30, c'est incroyable. Ça arrête. Ah, lance glacée fait mal, non, quand même. Ça fait plus mal. Ça fait plus mal. Petit peu de magie. Mal de magie.
sûr. On va pouvoir le buter à ce tour-là. Non. Je suis triste. L'objectif est de plus haut que les endroits. Tant pis. Allez Maurice, tu peux le faire. C'était pas Maurice. On avait dit Maurice. C'était pas Maurice à ce que je sache. Il parlait. Voilà, ça devrait lui enlever 2 barres de vie, ça. Pas le cas, mais ça devrait. Rien. Pas rien, 237 de dégâts. Je te bute avec Rafi. Ah, Rafi est niveau 33, bientôt niveau 34. Là t'es niveau 32. Ah. Tout de suite j'ai plus envie de te buter avec Marianne. La question c'est est-ce que Marianne peut te buter? Est-ce qu'elle est suffisamment forte pour? Bah non. C'est bien ça le problème. À 8 de précision, vas-y je tente hein. Une touche avec 8 de précision, c'est que t'es fort quoi. Alors je suis très malchanceux. Donc je crois qu'elle a pas fait suffisamment de dégâts. Elle manque pas beaucoup. Pas de cul. T'as pas une attaque qui lui fait plus mal? Et bien plus mal. Bon. Ah si t'as ça. On va tenter Séraphin, vas-y. Oh non, elle va le tuer. Ah non, quoi qu'il y a peut-être pas. 3%. Ouais non, c'est loupé ça. Voilà, 7 PV, moi ça me va ça. Cette PV c'est très bien. Parfait. Parfait. Ikemasen ! J'ai pas vu s'il y avait d'emblème. Dommage. Yo,
Ouf. Il a disparu. さまよえし獣の体がみるみる風化して、人の骨とこの剣だけが残って、きっとあの獣の正体は。失礼する。あなた、またさまよえし獣が討伐されたと聞いたぞ。しかしそれで疑いが晴れたと思うのか。君が獣ではないという理屈は成立しないし、そもそも本当に討伐されたのかも疑わし。ああ、その剣は。さまよえし獣を倒したら、この剣が。その剣の紋章石に刻まれているのは、紛れもなく獣のモーリスの紋章。しかし、すでに失われたはずの魔剣を。なぜさまよえし獣が。いや待て、モーリスの伝承によれば彼は最後までその剣を離さなかったと。つまり。なるほど、そういうことか。すまない、私が間違っていたようだ。今日のところはこれで失礼する。やっぱりあの獣は。C'est bien Maurice。千年以上も暗い森をさまよい続け、殺戮の衝動に苦しんでいたんですね。そうですね、本当に。それに私自身解放されたような、そんな気持ちがします。私に流れている血はもう獣の血じゃない、ただの人の血に戻ったのですから。先生、ありがとうございました。私だけでは何もできなかったと思います。今回のことがなければ、私はずっと自分を嫌い続けていたに違いありません。この恩に報いるためにも、これからは先生や皆さんのために私頑張ります。オルタガンゲ、je me rappelle une autre épée à te mettre. Bien sûr que si, mais non, quand même. C'est qui est pas entamé. Ok. Par contre, je t'ai toujours pas remis ton arme, c'est un peu bizarre. Est-ce que je te mets cette hache en plus ? Qui utilise une hache mise à part toi ? C'est-à-dire que je crois qu'il n'y a personne d'autre. Yep. Ah, je préfère aussi ça. Est-ce que j'en ai une, la préfète? Je vais la forger. Ah, désert, ça me ferait chier.
Allez, on va faire le désert, c'est chiant, mais bon. C'est où il y a les ennemis de plus haut niveau. À partir de quoi on fait le... On fait l'épurage. Ça se trouve, il y en a une. Ouais. Bonjour. Voilà. Parfait. Ah, mais il y a que des cavaliers. Ça va m'arranger ça. Il y a que des cavaliers. Nice. Siri, qu'est-ce que tu fous là? La place? Allez Marianne, montre-nous de quoi t'es capable avec ton épée à la con. して勝った。それだけさ。落ち着いていきましょう。はいはい、行きますか。さあ、急ぎましょう。おお、oui、je vais faire ça。Qui a choisi en danseuse Marianne, juste pour le run. Et puis là du coup bah, là, le skill qui lui permet d'esquiver à plus 20, mais c'était vraiment juste pour le lol. C'est du coup vu qu'elle est gênée quand elle est en public tout ça. Je trouvais ça drôle de, bah, du coup, de l'exposer en public. C'est un peu mon côté sadique qui ressort un peu. Ouais, un peu. De toute façon, j'utilise pas la classe dans ça. Tant qu'à faire, autant m'amuser, quoi. Allez,
いけど止まれねえんだ。もっと強くならねえと。Ah non, pour les rouges, j'avais pas choisi Bernadetta, j'étais parti sur le choix logique d'Orothea. Mais c'est vrai que c'est pas faux, j'aurais pu choisir Bernadetta. Ça aurait été marrant. J'y ai pas pensé sur le coup. Et pour les lions de Saphir, j'avais choisi Sylvain. Parce que je me suis dit c'était sympa. Je faisais un peu random Sylvain. Ouais Sylvain ouais. Voilà, c'est une bonne chose que j'ai fait. Ça a pas beaucoup de vitesse, ça a pas beaucoup de défense. Et j'ai équipé une arme qui lui redonne pas de vie. C'est une connerie ce que j'ai fait. C'est peut-être une connerie. Après, elle s'en prend deux dans la gueule, quoi. Ah non, en fait, c'est vraiment une grosse connerie, en fait. À éviter. J'ai vu combien de dégâts elle se prenait, j'ai fait non. 27 de dégâts x 2 à 78% de précision. Non. C'est pas chaud pour risquer sa vie. C'est bel et bien une connerie. Là. Ah, j'essaie de l'XP quoi. On silencieux sur mon chat à chaque fois. C'est vrai qu'il y a des gros moments où je coupe mon micro en fait. Le blanc, j'ai pas rien à dire. Juste bleu! Enfin, il blague pas. Blah. Cette arme complètement pétée. Enfin, ce gantelet complètement pété. Je pense que c'est le gantelet le plus fort du jeu en fait. Le ceste létal. Après, il y a Actelion aussi qui travaille. Ou si elle travaille demain, probable qu'elle soit déjà au dodo. Je sais même pas quel jour on est en fait. On est mardi. On est mardi. Elle va sûrement travailler alors. Actelion, modo.
Les généraux sur la plage, c'est une idée pour le moins originale. Je dis pas que c'est efficace, mais au moins ça le mérite d'être original. Parce que ça donne. C'est quoi la bestiole? Vous savez ce que c'est que la bestiole? C'est un loup, donc il va falloir que je me grouille. Sinon ils vont le tuer à ma place. C'est très bien chier. C'est pas du tout exagéré. Non, j'ai jamais tenté, mais par contre, ça peut se faire. C'est juste que là, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient tous plus ou moins au même niveau. Il n'y a pas quelqu'un qui prenne trop d'avance. Après je pense que j'ai vu quelques passages rapidement du speedrun de jeu, c'était justement sur cette route. Et le mec en fait finit le jeu avec Claude et l'avatar. Comme ça. Juste les deux. Donc apparemment ça se fait très bien. Ils étaient tous les deux niveau 41 ou 42 et les autres ils étaient niveau 20 et quelques. 26, peut-être 27, un truc comme ça. Quand tu vois que tu peux rapidement dévaster une armée entière avec un perso, mais tu prends un perso pété, enfin, que t'as bien monté, donc du coup il est pété. Du coup tu le mets au niveau des ennemis comme ça, et ils viennent tous s'écraser dessus.
et du coup ils gagnent encore plus de niveau. Et du coup c'est très facile de... du coup de finir les maps plutôt que de déplacer En fait le truc c'est qu'en plus vu que tu peux skip toutes les actions avec start, plus tu déplaces de personnes, plus tu perds de temps en fait. Donc, du coup ils essaient de déplacer le moins de personnes et de... Du coup bah c'est... Du coup logiquement ils utilisent le moins de personnes. Après j'ai pas vraiment regardé jusqu'au... Enfin j'ai vraiment regardé rapidement. Parce que ça dure je crois 2h30 ou 3h. Donc j'ai pas envie de me taper 2h30 ou 3h de speedrun. À 3h du mat. C'est un peu tard pour ça. Il faudra que je regarde à l'occasion. Après le gros problème des speedruns de Fire Emblem sur maintenant là. C'est du coup où tu peux passer toutes les phases ennemies, etc. Du coup tu vois plus ce qui se passe. Et vu que tu vois plus ce qui se passe, si tu sais pas, si t'as jamais joué au jeu, etc. Bah... Et ouais, en fait, je vois juste des écrans noirs les trois quarts du temps. Après, faudrait qu'il crée une catégorie où justement tu skips pas les phases de combat comme ça. Tu skips les dialogues si tu veux, mais les phases de combat tu les laisses. Mais je pense pas qu'il y ait un speedrunner un jour qui veut le faire ça. Quoique. Pour des cinglés. On va faire des choses que personne n'a jamais faites. Après j'ai dit que c'est pas intéressant, moi aussi j'ai speedrun aussi, c'était Awakening, Fire Emblem Awakening que j'ai speedrun. Mais je me suis vite arrêté quoi. Après, j'ai speedrun le jeu pendant un mois ou deux, et puis après j'ai arrêté parce que déjà d'une j'étais arrivé à peu près au maximum que je pouvais faire. Avec les stratégies que j'avais... J'avais mis en place. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que du coup, c'était pas intéressant à regarder. Enfin, quand tu connais le jeu, tu sais en quoi c'est compliqué, etc. Quand tu connais pas le jeu, tu fais juste ouais, le mec en fait il passe tout et il finit le jeu, c'est easy. Et tu comprends rien quoi. Donc du coup, c'est pas intéressant à regarder. C'est juste quand tu connais le jeu et que tu sais qu'il y a telle stratégie à mettre en place, etc. Là tu fais ah, quand même, le mec il finit le jeu en 45 minutes par exemple, tu vois. Au lieu de 30 heures. Ah, quand même. Si tu connais pas, tu vas faire ouais. Le mec il finit le jeu en 45 minutes, je connais pas le jeu, j'ai rien vu du jeu pendant tout le speedrun, ouais, ça m'intéresse pas. Alors hier, les speedruns que je trouve les plus intéressants, c'est soit ceux des consoles, là, GameCube et Wii, de Fire Emblem, soit les épisodes GBA. Une bataille
Ça dépend en fait. Là c'est vraiment des petits affrontements, c'est plus pour t'entraîner qu'autre chose, donc du coup c'est pas long du tout. Mais sinon les combats vraiment, les combats d'histoire, normalement ça dure très longtemps. Les premiers sont pas longs. Ils durent, disons, peut-être 20-25 minutes. Et à la fin, ça peut durer jusqu'à 2h30, 3h, quoi. Genre avec Edelgard, les deux derniers chapitres sont vachement... Je crois que l'avant-dernier chapitre avec Edelgard, ça m'a pris 1h30, un truc comme ça. Et le deuxième, il m'a dû prendre peut-être 2h30, un truc comme ça. Donc c'est vachement long. Tout dépend de ce que tu fais, en fait, comme bataille. Non, pompe. Et non, t'en es fait. Ouais, 2h30, ouais. En fait, c'est des grosses batailles, tu sais, où les maps sont vachement grosses. Elles sont vachement grandes. T'as des obstacles un peu partout, donc prends beaucoup plus de temps à aller d'un point à un autre. Et t'as beaucoup d'ennemis. T'as du respawn, t'as plein de dans le genre qui t'empêchent de progresser comme tu le voudrais, quoi. Après, j'aurais pu les finir aussi plus tôt, mais j'ai préféré nettoyer la map. Plutôt que juste rusher le boss comme un abruti et juste finir le jeu comme ça, quoi. Reste encore des points. Ah, rien. J'aime bien. Catherine aimerait me parler. Bon. C'était dangereux. C'est un rôle. Va me tuer! Ça y est! Nakigoto Yunote! Vitamine Naretenda! Soreni, Anta Nara Yokerarerute, Wakate Takara! Ouais! Maini, Anta Okan! Bah après, tout dépend ce que tu fais, quoi! Enfin, tout dépend déjà du but de la map! Et aussi, après, tout dépend de ce que tu fais! Si par exemple le but de la map c'est de tuer le boss et toi tu veux comme je fais nettoyer la map donc en tuant tous les ennemis à côté avant de tuer le boss, ça te prend beaucoup plus de temps que si tu rushes le boss et que tu pètes la gueule. Anta hodo no yatsu wa sou wa inai daro ne.
最初は親の七光を疑ったが、そうじゃなかった。レア様の目に狂いはなかったってわけだ。うんうん、さすがはレア様だ。しかし、あんたの人望やら天帝の剣を使う力やらは真似のしようもない。あんたを観察してレア様の気に入る理由を探るって作戦は失敗みたいだな。何ほっとした顔してんだよ。あんたの観察はこれからも続けるぞ。いずれレア様を救い出せたら、あんたが何をしてきたか。Tu vois, par exemple, là, le soutien, je l'ai déjà vu deux fois. Non, une fois. Pourquoi deux fois ? Une fois, parce qu'elle n'est pas disponible dans la route des Delgardes. Mais du coup, j'ai déjà vu, il y a des soutiens que j'ai déjà vu deux fois. Et je continue de les regarder parce que justement, je préfère laisser. Il y a les dialogues de. En exploration, il y en a beaucoup que j'ai déjà lu. Et pourtant, je continue de les laisser parce que ça me prend plus de temps, évidemment, beaucoup plus de temps. Mais d'une part, ceux qui regardent peuvent continuer de découvrir le jeu même s'ils n'ont pas vu avant, comme moi. Et en plus de ça, ça me permet de profiter du jeu, enfin de continuer de profiter du jeu. J'avais complètement oublié qui c'était son adversaire. この結果、悪くないですよね。ça aussi, je vois le skip, tu vois. 理解が深まると、手応えあり。Mais je préfère regarder en détail à chaque fois qui a pris quoi. Je vais faire un séminaire. Attends là. Pourquoi je fais un séminaire ? Un truc avec un arc. Arc vol, ça serait nickel là. Malheureusement, il n'y a pas. Il y a arc autorité. On lance arc magie noire aussi, je crois. Voilà. Lance et H lance. Ça va être Claude qui va faire un séminaire. Va nous apprendre. このコツが分かってきたのかしらね。だいぶ馴染んできたようだな。Vous étiez à fête son anniversaire, vas-y. Je me souviens plus du tout ce que c'est que ton thé préféré. Dex lui est obèse et... Dilda, elle je l'avais trouvé son truc, mais je sais plus c'est quoi.
J'ai eu un truc puissant, ça va pas aller. Ah oui, non, c'était peut-être l'une. C'était l'une. Ça m'a pris du temps, mais je m'en suis souvenu. T'as pas kiffé alors que c'est ton thé, ça brouille ? Bizarre. Les chats, ça, tout le monde aime les chats, apparemment. C'est pas faux. Oh. Il faut que je fasse quoi avec elle? Et je rigole, qu'est-ce qu'il fasse? On va t'observer un peu.私に何か気になることでも。あ、フィン。とっても美味しいお茶でした。また招待してくださいね。それじゃ。あれじゃ。 Ouais, c'est vrai que j'ai des gants rouillés. Probablement des griffes de dragon. Et je les ai déjà faites. Passe pas. Comme soutien. Oh, Léonie Rochin. C'est un peu de temps. 迷惑を。そこはありがとうだ。仲間の手当てをすることが迷惑なもんか。あ。どうした？止血するためのものがない。これしか。これはこの前のハンカチ。そういえば受け取りそびれていたな。いつか返そうと思って持ってたんだ。これ使うけどいいよな。 君を助けた道具に助けられるとは。こういうこともあるのだな。私もこんな風に返すなんて思ってなかったよ。それに素直に受けてもらって嬉しいね。以前のあんたならコバンだけど。そうだな。貴族たるもの、平民に助けられることなどあってはならない。とても人気だプレイ。そんなに、ヴルガー。理解できるかも。 貴族がみんなあんたみたいなら、世の中もっと良くなるかもしれないな。だが、助け合う仲間というのもいい。多くのことをなせる。君のような力のある仲間とは、特にね。私?
面と向かって伝えるのは初めてか。レオニーさんの優秀さは承知していたよ。はい。だが身分の違いを言い訳に、君には随分な失礼を働いたこともあった。すまない。そしてこれからも仲間として支え合っていくことを誓わせてくれ。改めて誓わなくても、私はそのつもりだったよ。貴族じゃなきゃできないこともあるし、平民だからこそできることもある。そういうのをひっくるめて助け合えれば、それが一番いいよな。そうだな。そしてそんな大切なことを気づかせてくれたレオニーさんは、仲間からさらに一歩踏み込んだ関係になってもいいのかもしれない。え、なんか言ったか？ああ、いや、これからもよろしく頼むと、そう言ったんだ。同盟軍より援軍の打診を受けたジュディットは兵員の引き渡しを承諾。援軍と合流すべく、同盟軍の面々は煉獄の谷と呼ばれるアリルを目指す。しかしそこに待ち受けていたのは、ちょっと、なんでこんなに暑いの？汗かいちゃうじゃない。おめえ、だらしねえな。飯のおかわりが待ってんだぞ。ちょっと離れてよ、ラファエル。あんたが近くにいると余計に暑いんだよ。まあまあ、ジュディットさんの兵と合流できたらすぐ帰れるんですから。思い出しました。伝承によるとこの谷は女神の怒りが生んだとか。何でも天から光の柱が降り注ぎ、もともとあった森が全て焼けたとか。慈悲深いはずの女神様が森を、大地を焼き払ったってのか。あくまでこの地域の伝承です。聖典にも記されてはいませんし。じゃあきっと誰かの創作なんだろう。でなきゃ女神様はまるで化け物。あれはクロード、おしゃべりの時間は終わりだ。あそこを見たまえ。おっと、誰がお出迎えに来てくれたんだ。あの軍旗、ダフネルの紋章ではないな。あれは確か王国諸侯のローベ家の紋章か。聖変でさっさと帝国に寝返った連中だ。俺たちを待ち伏せてやがったのか。
まだ患者がいたな。始末しきれていなかったか。ローベ家は領主こそ凡庸な俗物だが、抱えている騎士団は盛況と聞くぞ。まさかあいつらもうダフネルの兵を。ああ、向こうはもうこっちに気づいてる。策を仕込む暇もなさそうだ。みんな戦闘態勢だ。指揮は頼んだぞ兄弟。騎士としての人生を締めくくるには格好の土地かもしれんの。まあ、あの若造ばかりの小勢にわしを殺せればの話だ。敵将はあの頑固そうなじいさんか。泣いて謝っても許してくれない顔してるな。念のため武装してきて正解だった。ジュディットを探して合流するか。不意に炎が吹き出て人を焼こうとする。まるで地獄だな、アリルって土地は。みんなこんがり焼かれたくなかったら足元に気をつけて進めよう。戦場に出りゃ俺も駒の一つだ。広く見なくても。Là je pense que je termine cette mission et après je m'arrête.僕が行くしかあるまい。早く指示してくれ。僕も危うかったよ。はい、やってみます。俺に任せてくれよ。はいはい、行きますか。落ち着いていきましょう。さあ、急ぎましょう。
炎の紋章か。生意気な軍旗を掲げおって。やっぱりあれは先生たちの軍だけど、今さら引くわけにはいかない。ロナート様の代わりに僕は僕の責務を果たします。僕はさあ、もうやこれで戦況が動くか。Il ne fait plus qu'un avec le sol. C'est un pro de la dissimulation. Je vais voir quand même si je peux pas la recruter au cas où. Non, je peux pas la recruter. Dommage. C'est dommage. Bon, Barry. として果たすべき役割を果たすまでです。 On se voit la prochaine, hein. Prochaine partie, j'entends. Merci pour l'arc létal. Ah, je peux le convaincre de joindre à moi. Ah merde, mais je veux que je le tue, vraiment. Vas-y, je suis gentil. Je l'ai buté, mais moi je vois. LOL. Viens, mon copain. Viens boire un coup à la maison. Bizarre comme système de recrutement quand même. Arme. Tu as la margine. Elle est sympa, hein, je trouve elle est sympa. J'avais super bien sur une danseuse. Je pense, mais après je pense surtout que faut les prérequis en fait. Ah non, mais je déconne. Je dis non parce que je l'avais recruté en fait. Je l'avais recruté et ben, c'était barré en fait. J'avais juste pas remarqué parce que j'utilisais pas. Mais du coup en fait il s'était barré et donc là il est revenu. Okay. Ok, je comprends mieux. Quand je réfléchis, bizarrement ça fonctionne mieux.
quand je réfléchis pas, il y a des problèmes qui se créent dans mon cerveau. Je sais pas pourquoi. Ça doit être pareil quand tu recrutes Lorenz quand t'es avec les lions de Saphir. Du coup il doit se barrer je pense et après revenir. Et du coup t'es obligé de le vaincre pour le re-recruter. Un truc d'un joueur, je pense. Yipes. C'est-à-dire que j'aurais pu. Tant pis, on va faire ça comme ça. Je vais aller par là. Voilà. École. Ouvre le coffre. Ah, la tonnette. C'est bien. Personne qui l'utilisait, mais c'est bien. Comment ça je peux t'attaquer de là? Ah oui, avec l'épée orage, oui. On se souvient plus que c'est les 3 cases de distance. Lol. Par contre, j'ai pas suffisamment de vitesse pour te tuer. C'est problématique. Compris. Mais ce que je dis, c'est souvent ça de vrai. Allez, c'est le moment de vérité. T'es pas obligé de prendre en force, hein. Je sais que ça te fait plaisir, mais c'est un peu trop tard pour prendre en force. Donc je vais pas te changer en classe. Pas physique juste parce que t'as pris en force maintenant. J'aurais aimé que tu fasses un peu critique en fait. Ah. Rien à faire. Donc du coup ce que j'ai dit était complètement pas mérité. Une grosse hache que tu as là, madame. Tu m'étonnes que tu attaques comme ça pour attaquer normalement, justement. Espèce de hache. Ça. Pourquoi je suis toujours équipé de mon arc long?
Je préférerais que le boss ne bouge pas. Je sais qu'au bout d'un moment il bouge. Oh, espérons qu'il ne bouge pas tout de suite. Ah. Ah. C'est-à-dire que j'ai eu un gros problème là, monsieur. On est en tenaille. C'est-à-dire que pour me prendre en tenaille, il aurait fallu partir par là. Je pense. Non, c'est ça. Le principe d'une tenaille, c'est que il y a un truc d'un côté et le truc de l'autre, et que ça se resserre. Là, si tu fonces en face et à gauche, c'est pas une tenaille, c'est un autre truc. C'est pas une tenaille. Mais c'est bien tenté d'essayer de faire des tactiques, hein, mais juste faut utiliser les bons mots, quoi. Blâ dans ta tête. Ah, coup critique. On connaît pas que celui-là n'était pas nécessaire, mais... Pourquoi pas. Là, je sais qu'il y a des renforts qui vont venir par là. Des renforts à nous. Et il faut que je prenne le coffre ici. Et vu que lui commence à venir par là, du coup, j'aurai je pourrai le faire directement. Je viens m'exprimer, mais vous m'avez compris. Comme ça. Je te tue, toi. Oui, je te tue, toi. M'emmerder. Banyu a shio no no ka. こっちも必死なんでね。勝つべくして勝った。それだけさ。
ありがとな。はい、やってみます。任せてくれよ。落ち着いていきましょう。戦場を広く見なくても。je m'en fous。ça fait bizarre vu comme ça, mais c'est tout à fait normal.Vous en faites pas. Tout est sous contrôle. Ok. Alors lui, il va arriver. Quand lui arrive, les problèmes commencent. Parce que si lui meurt, c'est la fin du chapitre.Que lui je peux le tuer sans risquer que l'autre vienne m'attaquer après. Ah, c'est ça la question. Non. Si. Oui. Non. Oui. Oui. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas beaucoup de mobilité. Enfin, je dis ça, il y en a quand même. Allez, viens mon petit. Viens. Viens jouer. Papa t'attend. Papa t'attend avec, avec un sort qui va te faire plaisir.Surtout pas que t'ailles sur mon avatar. Tu fais ça, t'es un gros bâtard. Merci. Bon, les renforts, ils reviennent ? Ah, voilà. Nice. Oh, y'a Gwendal no jii-san ga iru no kai. Dou yara mikata dewa nai yo da ne.ダフネルの列女が現れよったか。若造どもより期待できそうじゃな。あ、tu vas rapidement comprendre. Parce que là, je récupère le coffre, je tue 2-3 mecs et c'est la fin du chapitre. Mais, tu vas rapidement comprendre pourquoi j'appelle Lystea la tueuse de chevalier. Pas de cavalier, de chevalier cavalier, tout ça. D'accord.C'est très explicite, hein. Une fois qu'on l'a vu, on l'oublie plus. Ouais, on est parti. Ah ah! Pas de truc. Nasake wa kakeraremasen.Bon, il reste quoi? Il reste 3 chevaliers sur la map, sinon. Bon. Quand même bien nettoyé. On va se faire. Ah non, je vais faire de l'XP avec elle. Ma tueuse de chevalier. Ah. Attention, one shot dans quelques secondes. 3. 2.Ah non, pas one shot. What? Pourquoi je peux pas jouer one shot? Pas drôle? C'est pas efficace? Ah, il a le truc de boss! Ah, je salaud! Non, c'est pas ça.
Attends. Attends. Pourquoi je peux pas le muter aussi rapidement que je le faisais. Okay. Je pense que c'est ça qui me baise. Parce qu'en fait. Ah non, c'est ça. Donc du coup il me baise mon plan de one shot. Parce qu'il a le. Il a l'écu qui permet d'immuniser face aux dégâts efficaces contre la cavalerie. Donc du coup je peux pas le one shot avec l'Hystéa. Parce que sinon l'Hystéa elle fait ça et pouf il est mort. Mais je peux pas. Par contre ce que je peux faire, c'est faire un autre type de one shot. Puisqu'il est aussi en cuirassé. Adieu. Si ça fonctionne pas d'un côté, ça fonctionne de l'autre. Wow. 237 de dégâts, ça va. De 137 sur un boss, tranquille. Hein. Tranquille. あのじいさんも自分の置かれた立場に苦しんでたのかね。さてと、安全になったとこで気を取り直して兵の引き取りと行くか。ウィーン。まさかこんな場所で人暴れすることになるとはね。まあ、お互い生き残れたことを喜ぶとしよう。やめとくれよ。それは昔の話さ。それより久しぶりだね、先生。また坊やのお守りをしてるのかい？みんなの前で坊やはやめてくれよ。これでも名刺を継いだ身なんだ。威厳が。同盟領をほったらかして何が名手の威厳だよ。卓上の騎進点ならおとなしく机に向かってりゃいいのにさ。その呼び方もやめてくれ。まったく誰つけたんだか。悪辣な策が大好きな坊やにぴったりの二つなじゃないか。先生に感謝するんだね。坊やだけじゃ悪党の親玉にしか見えないんだからさ。いつも不尊なクロード君もジュディットさんの前ではタジタジね。さすがは名門ダフネル家の当主。五大諸侯の座は譲っても威厳は健在だな。レスター諸侯同盟の円卓会議で議決権を持つ五人の有力諸侯のことだ。かつてはダフネル家も名を連ねていたが、家中の分裂などで衰退してしまってね。今は信仰のエドマンド辺境伯に議決権を譲っているのさ。解説ご苦労さん、グロスタールの坊や。坊や。奥まで。パフ、ドンテド。さて、このままの邪魔が入ったが、約束通り兵と物資を用意してきたよ。助かる。早速引き取らせても。おいおい、勘違いしないでおくれよ。こいつらは私が育てた大事な兵だ。他人に預けられるわけないじゃないか。は？ならお前何しに来たんだよ。私もあんたらの軍に加わってやるって言ってるのさ。セイロス騎士団と一緒に帝国と戦うんだろ。私だってレア様のために戦いたいんだよ。そりゃ殊勝な心がけだが、レアさんが本当に帝国領にいるかはまだ。いるさ。5年前のあの戦いの後、帝国軍に連行されるレア様を見た者がいる。なんと、それは確かなのですかな。見たってのは私んとこの手の者さ。まず間違いないだろうね。おお、
帝国と戦うと決めた我々の選択は間違っていなかったようだな。うん、しかし領主であるお前がダフネル領を留守にするのはまずいんじゃないのか。じゃああんたはなんでリーガン領を留守にして大丈夫なんだ。それはだな、信頼できる火災に任せて。その火災にリーガン領とダフネル領まとめて面倒を見とけって頼んでおいたよ。待てって、お前がなんでうちの火災に勝手に頼んでんだ。おや、先生はまだ会ったことないのかい。ナルデールとかいう男なんだが、どうやらただものじゃなさそうなんだけどさ、これがまたナルデール、そのいい男だね。ça me rappelle quelque chose。ce serait pas le le mec d'admiral Daphne qui va entrer dans le chef. Parce que c'est lui. Quand on a dit que tu étais là, tu es là. Merci de t'en aller.Je pense que c'est lui. Ça t'est.ジュディットの参入で我々は預かりながらも兵力と物資を手に入れた。ふん、わずかで悪かったね。いや、当面動くには十分だよ。こいつを使ってさらなる兵力と物資を得るとしよう。鍵は同盟内で新帝国派の親玉であるグロスタール伯爵だ。父を反帝国派に転向させると。グロスタール伯が反帝国派に転べば、おのずと同盟は一枚岩になる。だろ？そうすりゃ、同盟国の兵力をすべて帝国の戦いに投入できるってわけだ。まさか、僕に説得しろと言うんじゃないか。Vu qu'on voit plus tard dans une cinématique, parce que je me suis spoilé. 無理だぞ。説得しない。Du coup, je pense que c'est lui. 俺たちはグロスタール伯の不安を。On l'a déjà vu qu'on combattait avec l'Empire.Mais je me souviens plus de son nom, donc je sais pas, je suis pas sûr. そこにかかる橋のうち、グロスタール領から近く、大軍が通行できるのは。Et quand tu joues avec Dimitri, je crois pas que tu le vois. そして、ミルディン大橋は国家帝国軍の占領下にある。つまり、そこさえ抑えれば。Ah si, tu le vois. グロスタール領から帝国の脅威から曲がりなりにも解放されるってわけだ。でも、ミルディン大橋に行くには。Et qui en fait partie, enfin qui fait partie de des forces. Ah, on est à Tiga Ostoro, on se leva, Tosen Nagara, Jamash de Krudo. N'en no Tameni Kikunga. Chito is sem Majeo to Yuno de Vanaidaro, eh? Ancien Stegre, Shora no Mikata, Aiteni, Eo Kesriao, Namadeva Schneiser. So, Sensei no Yutori.今その準備をしてるところさ。いよいよ卓上の鬼神の本領発揮会、楽しみだね。名前負けしないよう、せいぜい悪どい策でも考えておくよ。水風の章、古月の節、バラ色の大河。煉獄の谷アリルにて、ジュディットと合流を果たし、ダフネル家の兵力を加えた同盟軍は、いよいよ帝国領への侵攻に動き出す。Troisième mois.Troisième mois sur 8. Ça veut dire qu'on est quasiment au milieu de la deuxième partie. Ouh, putain, il est temps d'aller se coucher. Au milieu de la deuxième partie, donc. Quasiment. もう少し詳しく説明してくれたまえ。本当に父と戦わずに済むのだろうな。ああ、もうすぐグロスタール伯は事業の北辺に兵力を集中せざるを得なくなる。
Qui Nardel? Ouais. Bah, puisque de toute façon, il y a... En fait, il y a deux parties dans le jeu. Il y a la partie de... d'avant les 5 ans. À l'académie. Qui dure 12 mois. Et ensuite... à cette partie-là, la deuxième partie, 5 ans après, qui dure 8 mois, sauf pour Elgard, qui dure 4 mois. Sasuga da na, sensei. Gomei tou da. Grostar Ryo no hokuhen o obiakasu no wa, Rigan Daphnel Rengogun da to sa. Rei no kasai. Nardel a umai koto yatte Grostar no hei. Et c'est normal que la partie avec avec les Elgard soit bien plus courte, puisque dans l'histoire t'as déjà quand assez bien anéanti les deux autres forces. Ce que tu fais en fait, c'est finir le travail quand tu reprends conscience, d'où le fait qu'il y a 4 mois en moins. この戦いに勝てたら、その先は帝とアンバルの陥落を目指すことになる。いつか俺は帝国に一泡吹かせるつもりだと言ったが、訂正しよう。俺たちは本気で帝国を倒すんだ。そのためにもここでつまずくわけにはいかないだろう。みんな心して準備してくれ。Une chorale. Bimyou ni oto no hazurete ru yatsu ga iru na. Ma, sore mo mata aji tte yatsu ka. Sekkaku utau nara kawaii furitsuke mo hoshii na. Oui. En fait, quand je dis Elgard, c'est la plus courte. C'est quand tu choisis la route avec Elgard. Tu choisis la route avec l'église, et 8 mois pareil. En fait, c'est 8 sauf Elgard 4. そんな無茶するんですか。仲間は助け合うものだとか言いたいのかもしれませんけど、目の前で先生が敵に襲われてたとしても、après au niveau de l'histoire, je te recommanderais de commencer soit par l'Empire avec Edelgard, soit avec Dimitri. Et pour moi, je recommanderais en fait de commencer par deux histoires en premier. 優秀な兄さんがいるんです。Puisque c'est celle qui révèle le moins de tout le reste. Et ensuite d'enchaîner sur soit celle-là, soit avec l'église. Je sais pas laquelle des deux révèle le plus, puisque j'ai encore rien vu de l'église. Donc je peux pas savoir si celle-là révèle davantage. C'est juste que ça m'a l'air bien davantage que les deux autres routes précédentes. C'est... Ouais, voilà, tu vas faire comment en fait. J'ai commencé par Dimitri, après j'ai fait Edelgard, ensuite là je fais Claude et après je ferai l'église. がっかりした顔でこう言うんですよ。ああ、期待外れだったなって。そういう時の兄さんはすごく辛そうだった。ね。だから私には何も期待しないで。答えるつもりもありませんから。はあ、頑固ですね。わかりましたよ。勝手に信じててください。私だって先生や仲間の役に立ちたい気持ちがないわけじゃありませんから、その代わり裏切ることになってもがっかりしないでくださいよ。
Donc du coup, il n'y a pas comme un truc. Ok, il y a la quête avec Rhea. Il n'y a pas encore la quête avec... Il n'y a pas encore la quête de Claude. Je pense que ça sera le mois prochain. Est-ce que j'ai un truc à faire? Ok. Je vais regarder un truc parce que je me suis jamais vraiment penché sur le sur les boucliers parce que ça m'intéresse pas. Mais il y a peut-être moyen de faire un truc intéressant. Est-ce qu'on peut forger les boucliers? Je les vois pas, donc du coup on peut pas les forger. C'est dommage. Et en fait j'aurais aimé qu'on puisse forger les boucliers pour les améliorer. Et pour faire des boucliers comme tu le souhaites. En fait les boucliers en tant que tels là, sauf s'il n'y a pas de bonus, genre comme ce qu'avait le boss là qui permet de immuniser les unités contre la cavalerie. Enfin contre les effets de la cavalerie quand t'es un cavalier. Il y a aussi le bouclier pour les unités volantes. Mais mis à part ça, ça vaut pas le coup en fait, selon moi, puisque tu vois les cuir par exemple, il te donne plus 1 en défense, mais il te rajoute plus 1 en poids. En fait, à chaque fois que tu ajoutes un point en défense, tu ajoutes un point en poids. Donc plus t'as un truc qui est lourd, moins tu vas faire de double attaque. Le poids ralentit, ouais. Et vu que les armes sont déjà assez lourdes, genre une lance, tu vois, une lance argent, c'est 9. Là, une lance héros, c'est 13 de poids. Et du coup, plus t'as un truc lourd, moins tu vas attaquer. Enfin, moins tu vas avoir de chances d'attaquer deux fois. Et du coup, si tu rajoutes en plus de ça un bouclier, tu vas en chier un max. Les seuls sur lesquels tu peux mettre un bouclier, et encore du coup c'est pas super utile, je dirais que c'est sur les personnes qui ont des grosses vitesses, comme par exemple les bretteurs, ce genre de choses, ou les assassins qui ont une vitesse de folie, et qui n'ont pas forcément de beaucoup de défense. Aussi les chevaliers faucons, genre Ingrid dans ma partie avec Dimitri, elle était je crois niveau 40 avec 43 ou 45 de vitesse, et elle avait que 20 ou 22 de défense. Donc du coup ça aurait pu être intéressant de lui mettre un bouclier, mais mis à part ça, ça sert à rien. Selon moi, ça sert à rien. Vaut mieux mettre un anneau qui rajoute de la vitesse ou... Ouais, l'écu il est pas forcément utile. Après tu peux le mettre aussi sur des unités que t'es sûr qui vont jamais faire de double attaque. Genre par exemple, j'en ai même pas là. Et genre sur les chevaliers. Enfin, quand je dis chevalier, c'est les gros cuirassés. Ce qu'on appelait avant les généraux. Eux, en fait, quand tu mets dans cette classe quelqu'un, il va avoir un malus de vitesse de moins 10, je crois, un truc comme ça. Du coup, il va avoir très très peu de chance de double attaque, sauf sur d'autres chevaliers. Et donc le truc, bah, tu peux lui mettre un bouclier en plus. Parce que du coup, bah, ça va le protéger davantage. Mais c'est les deux cas vraiment avec lequel un bouclier peut vraiment être intéressant. Sinon le reste, je vois pas l'intérêt.
Tiens. Avec Cyril. Oh. Né, Listea. Oro, Cyril. Doushimashita? Après, c'est ma façon de voir. Hein. Ça se trouve, enfin, de toute façon. J'empêche personne de mettre des écus à tout le monde. Hein. Je dis juste que, pour moi, en fonction de ce que ça rajoute et ce que ça te. Enfin, en fonction de ce que ça te rajoute, c'est pas. C'est pas intéressant. Je dis pas que je détiens la vérité absolue. Loin de là. Bingo. Bingo. 3個. そうです. Yomemashitane. Chanto oboeteita janai desu ka. Honto da. Moshikashite hoka no tokoro mo yomeru no kana? Anta wa kiyokuryoku ga ii nda kara. 何度か復習すればすぐ字も覚えますよ。そうやって身につけた教養は失うことはないんです。いつまでも私が教えてあげることもできないんですから。でしてよ。いえ、何でもないです。ところでチリル、勉強は嫌いなんですか？文字を覚える気がないように見えますけど。 忙しくてそんな時間もない？今までは覚え方がわからなくて隠してたから誰かに相談もできなかったし。はい、やっぱ、そういうことは、私は、ジャパンラファンのサポートを受けて、私は、ジャパンラファンのサポートを受けて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 、ジャパンラファン
うん、読んでって頼むとリシテア嬉しそうに笑うでしょ。とっても可愛いんだもん。みんなにも言われるでしょ。そんなこと言われません。年上をからかって、あの顔は僕しか見たことないのかな。だったらちょっと嬉しいけど。何言ってるんですかこの子は。じゃあ僕先生の用事済ませてくるね。もう読んであげないんだから。あ、気をつけていってらっしゃい。